Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo, sinon tu ne recevras jamais ce cadeau gratuit de la part de Apple sur ton compte Fortnite. Verse à ta place, je prendrai aussi, vraiment pas juste avant de commencer la vidéo les gars, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir dans la boutique Fortnite, il n'y a vraiment rien plus simple. Il suffira juste tout simplement d'aller dans la boutique d'objets sur le jeu, d'aller en bas soutenir un créateur et de mettre le code créateur WAIKS-du-bas. W-A-I-K-S et tiré du bas. C'est totalement gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui le font. Et en plus, j'ajoute toutes les personnes qui mettent mon code créateur sur le jeu. Vous n'hésitez surtout pas. Et moi, je t'avoue souhaiter une bonne vidéo à tous. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va plutôt pas mal. Alors les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Et sérieusement, les gars, on a pas mal d'informations. Genre, ils sont énormes. En tout cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, si tu veux rien louper de l'actualité de Fortnite Battle Royale, bah je t'invite à t'abonner. En même temps, je vous mets directement tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment. Tu veux passer dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de demain, en tant que nouvel abonné, abonne-toi à la chaîne. Aussi, la chose qu'on doit pas oublier, les potes, ça fait super plaisir, c'est la récompense de mettre un petit pouce bleu. Apparemment, il y a une rumeur qui dit que si tu mets un petit pouce bleu plus un petit commentaire avec ton pseudo Epic Games, tu pourrais recevoir un petit cadeau sur ton compte Fortnite. Après, est-ce que cette rumeur est vraie? Je sais pas. À vous de tester. Et une dernière petite chose les potes, après j'arrête de vous embêter, c'est promis, n'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur, c'est 100% gratuit et moi ça m'aide vraiment beaucoup. Comment on met mon code créateur sur le jeu? Et bah y'a rien de plus simple, tout simplement vous allez dans boutique d'objets sur Fortnite Battle Royale, en bas à droite soutenir un créateur et vous rentrez le code créateur WAIKS-du-bas W-A-I-K-S et tiré du bas et vous acceptez et voilà, vous me soutenez dans la boutique Fortnite. Merci énormément à tous ceux qui le font. En plus, je prépare une petite surprise pour toutes les personnes qui mettent mon code créateur. Enfin bref, vous verrez tout ça, mais n'hésitez surtout pas, ça fait super plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo les potes? Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'informations. Déjà deux, on va parler du nouveau partenariat que Fortnite va faire avec un autre jeu, un jeu qui est en train de faire le buzz en ce moment. Donc du coup, on aura des nouveautés de l'autre jeu, des nouveaux sur Fortnite du jeu, etc. Enfin bref, on parlera de tout ça. Ensuite, on va parler que tout simplement tous les anciens packs et tous les anciens skins rares du jeu actuellement vont bientôt revenir sur Fortnite Battle Royale. Pourquoi, du comment, je vais tout vous expliquer. Ensuite, on va parler d'un nouveau skin qui va arriver très bientôt sur le jeu. Ce skin est plutôt incroyable parce que c'est le Dur Burger. On aura un skin burger en cravate, un skin burger en argent, un skin burger en or. Ce sera une variante et sérieusement ils sont plutôt pas mal, je vais vous la montrer. Et pour terminer, on parlera une dernière fois de ce qui s'est passé avec Apple x Fortnite. Fortnite a porté plainte contre Apple, etc. Et qu'est-ce qui va se passer si Fortnite gagne le procès, les récompenses, etc. qu'on pourra avoir. Enfin bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les potes, parce que comme d'habitude en termes d'informations, on est au top du top. On part directement pour la première information les potes. Et tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ça va faire plaisir. Alors voilà, vous connaissez tous le jeu Fall Guys. Alors je suis désolé si je le prononce mal, mais tout simplement c'est ce jeu. C'est ce jeu qui est en train de faire un buzz monumental en ce moment sur toutes les plateformes, parce qu'il est juste incroyable. Alors je l'ai pas encore testé parce que voilà, je peux plus bouger ma main gauche, donc du coup je ne peux pas jouer. Mais juste en voyant les images, juste en voyant le gameplay, on peut comprendre les potes que tout simplement ce jeu est énorme et beaucoup plus. Et donc du coup les potes, tout simplement un joueur a envoyé un message au compte officiel de Fall Guys Game et a demandé est-ce que vous pourrez faire un partenariat entre vous et Fortnite. Et tout simplement ils ont répondu: donnez-moi l'adresse du directeur de Epic Games. Et ça c'est un truc incroyable. Alors maintenant on sait pas si c'est vraiment genre une boutade, etc., un truc pour rigoler, ou si c'est réellement vrai. Mais en tout cas les potes, on pourrait réellement avoir dans l'avenir, dans le futur, comme c'est vraiment deux jeux assez influents, Fortnite et Fall Guys Game, d'avoir un partenariat entre les deux. Et vous savez quoi, je vous mets des exemples à l'écran. Tout simplement, pourquoi pas avoir des skins de Fortnite tout simplement dans le jeu Fall Guys Game, et ce serait quand même plutôt cool. En tout cas, pour l'instant, les potes, rien n'est officiel, rien n'est sûr, mais en tout cas, c'est quand même plutôt cool. Bon, on part directement pour la deuxième information, les potes, et tout simplement, on va parler que tous les packs légendaires, tous les packs les plus rares, tous les skins les plus rares, etc., vont revenir sur Fortnite Battle Royale. Alors, pourquoi, les potes, tout simplement, tous les anciens packs, tous les anciens skins rares, etc., du jeu, vont revenir sur Fortnite Battle Royale avant le pass de combat? Et on a eu la preuve vivante hier, le pack de skins Batman, l'un des skins les plus rare, est revenu sur le jeu alors qu'il n'y avait aucun événement avec Batman, etc. Mais il est revenu. Du coup, ça a fait pas mal parler de lui en ce moment sur Twitter. Pourquoi le pack Batman est revenu, etc. Enfin bref, les joueurs sont contents, mais ils se sont aussi posé la question.
Et ben tout simplement c'est normal. À cause de tout simplement Apple et Google Play, les joueurs Apple et les joueurs Google Play tout simplement ne peuvent plus jouer à Fortnite Battle Royale. Donc du coup qui dit moins d'argent, parce que tout simplement ils ne peuvent plus acheter dans la boutique Fortnite etc. Donc ça fait moins d'argent à Fortnite. Et donc du coup les potes, pour qu'ils se font plus d'argent, l'argent qu'ils devaient faire tous les jours, bah tout simplement ils ressortent des packs pour que les joueurs achètent des packs assez rares, etc. Comme le skin Batman, le pack Batman plutôt. Donc du coup, on pourrait s'attendre avant le prochain pass de combat, le pass de combat saison 4, on pourrait s'attendre les potes tout simplement à voir le retour des anciens packs les plus rares, etc. etc. En tout cas, j'attends réellement de voir votre avis pour cette information les potes. Tout simplement, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt cool tout simplement que les anciens packs de skins rares et tous les skins rares sur le jeu vont revenir sur Fortnite Battle Royale parce que tout simplement, Apple et Google Play ont bloqué plus de 1 milliard d'utilisateurs? Vous me dites tout ça en espace commentaire les potes, mais tout simplement, très bientôt, on pourrait voir l'arrivée, avant le prochain pass de combat, l'arrivée d'anciens packs assez rares et de skins assez rares dans la boutique Fortnite. Ça a l'air d'intéressant, mais pas trop quand même. Bon, on part directement pour la troisième information les potes, et tout simplement on va parler d'un skin qui est juste hyper incroyable. Alors voilà, vous connaissez tous le skin Burger sur le jeu, c'est l'un des skins phares de Fortnite Battle Royale. Tout simplement, je vous le mets directement à l'écran. Voilà, vous êtes tous en train de me dire, bon oui, on le connaît, le skin burger, etc. T'as pas besoin de nous le montrer. Et ben tout simplement, est-ce que ça serait pas plutôt cool d'avoir deux nouvelles variantes avec le skin burger? Le skin burger en argent et le skin burger en or. On perd pas plus tant que ça. Je vous le mets directement à l'écran. Voici le skin burger, le dur burger. Et on va pas se mentir, ce skin il est juste incroyable. Donc déjà le premier skin qu'on a devant nos yeux, c'est le skin de base, voilà, qui sort dans la boutique Fortnite. Et tout simplement ce skin aurait deux nouvelles variantes. Comme je vous l'ai dit, le skin en argent et le skin en or. Et ça c'est plutôt cool. Ce serait carrément un nouveau skin les potes. Ce serait pas des variantes mais ce serait carrément des nouveaux skins. Donc on aurait deux nouveaux skins burger, soit en argent, soit en or. Et c'est quand même plutôt cool. Mais malheureusement les potes, tout simplement c'est un concept. Mais vous savez très bien que si je vous montre des concepts sur le jeu, c'est parce que ça fait les joueurs adorent. Voilà tout simplement. Vous savez très bien que si je vous montre un concept, c'est parce qu'il est beaucoup plus par la communauté et pas un concept qui est nul à chier etc. Vous le savez très bien. Donc du coup, on peut s'attendre, pourquoi pas, que Fortnite accepte l'idée et de faire deux nouvelles variantes. Et en tout cas, comme d'habitude, vous me dites tous en espace commentaire si ce skin burger en version argent et en or arrive sur Fortnite Battle Royale, vous allez l'acheter ou non? Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça nul, etc.? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude et on part directement pour le sujet principal de cette vidéo et c'est quand même plutôt intéressant. On part directement pour le sujet principal de cette vidéo et on va parler de Apple X Fortnite. Alors, on va parler d'une dernière fois de ça, tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer si Fortnite gagne le procès, les récompenses que les joueurs mobiles vont avoir, etc. Enfin bref, restez bien jusqu'à la fin. Alors déjà, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, Fortnite a été supprimé de l'Apple Store et du Google Play. Voilà, et quand on se dit ça, on se dit, putain, c'est un truc de fou. Et oui, c'est un truc de fou, mais pas pour Fortnite. Tout simplement, juste pour vous dire, Apple et Google Play ont bloqué plus de 1 milliard de téléphones qui ont Fortnite dessus, bien sûr, au monde entier. Et c'est juste incroyable qu'on entend les chiffres. Donc du coup, 1 milliard de téléphones ne peut plus jouer à Fortnite Battle Royale. Juste imaginez-vous. Bon, pour toutes les personnes qui ne le savaient pas, je vais tout vous expliquer. Et pour toutes les personnes qui le savaient déjà la raison, ben, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et ben tout simplement pourquoi Apple et Google Play ont supprimé Fortnite de leur jeu. Tout simplement parce qu'ils ne respectaient plus les règles. Alors, je vais vous expliquer. Fortnite, il y a quelques temps de cela, ont fait une méga promo sur les prix de V-Bucks. Voilà, normalement 1000 V-Bucks est égal à 10 euros de V-Bucks, c'est passé à 7,99, donc 8 euros. 25 euros de V-Bucks est égal à 2500, si je dis pas de bêtises, c'est passé à 20 euros, etc. etc. Et donc du coup, les prix de V-Bucks sont carrément baissés. Mais du coup, ces méga promos de V-Bucks, ça a pas plu à Apple. Parce que tout simplement, ils ne gagnaient plus assez d'argent. En gros, je vous expliquais. Si imaginons un joueur fait un achat de 10 euros de V-Bucks, voilà, c'est un exemple, Apple prenait 30% des ventes. Imaginez-vous, 30% des ventes, c'est juste énormissime, c'est incroyable. Du coup, sur 10 euros, Fortnite recevait 7 euros et 3 euros pour Apple. Imaginez-vous, Fortnite par mois avec le téléphone gagne des millions et des millions. Bon, peut-être pas abusé, mais des millions aussi quand même. Bah, imaginez-vous, il y a 30% qui part. Aux joueurs Apple, bah, tout simplement, Apple prenait 300 000 dollars et
Fortnite recevait 700 000 $. Imaginez-vous, les 300 000 $ avec les choses que Fortnite pourrait faire avec ça serait juste immense. Bah voilà l'exemple. Et bah du coup, avec ces méga promos, et du coup ça a pas beaucoup plu à Apple, et du coup ils ont supprimé Fortnite. Imaginez-vous, 30% c'est énorme. Et du coup les potes, Fortnite de base était un jeu gratuit, la retire directement. Fortnite a 1 milliard d'utilisateurs sur iPhone, et ça c'est énorme. Et donc du coup les potes, Fortnite a porté plainte contre Apple. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà de 1, si Fortnite gagne le procès contre Apple, déjà Fortnite va gagner beaucoup d'argent. Alors la somme je sais pas, mais vous gagnez beaucoup d'argent. Et tout simplement Apple, pour s'excuser, comme Fortnite a gagné le procès, pour s'excuser des joueurs iPhone, vont donner une récompense gratuite aux joueurs téléphone, iPhone et Play Store. Donc du coup le Google Play. Ce sera pas une petite récompense, ce sera carrément une grande récompense pour s'excuser. Normal, ils ont bloqué plus de 1 milliard d'utilisateurs sur téléphone avec Fortnite, c'est tout à fait normal. Du coup, voilà qui va se passer. En tout cas, j'espère réellement que je vous ai éclairci là-dessus. Vous étiez nombreux à m'envoyer des messages en mode « qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Est-ce que tu peux tout nous expliquer ? Qu'est-ce qui va se passer après si Fortnite gagne le procès ?» Bah, Fortnite va gagner beaucoup d'argent et les joueurs téléphone vont gagner un gros cadeau pour s'excuser. Ça peut être même littéralement un skin gratuit. Mais c'est pas encore sûr. En tout cas, j'espère que je vous ai répondu de mon mieux. J'espère que vous êtes contents et j'espère que ces informations vous ont beaucoup plu. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, on est une chaîne d'information Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, à t'abonner à la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu et de mettre mon code créateur. Merci à toutes les personnes qui le font. En tous les cas, je t'ai vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potes.